Salut, salut! Alors aujourd'hui, je reviens pour faire une petite vidéo haul parce que je suis allée au magasin, j'ai fait quelques magasins et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc je me suis dit pourquoi pas leur présenter en vidéo. Voilà, donc j'aime bien vous présenter mes produits de temps en temps. J'aime bien. J'aime bien surtout quand c'est des produits. Enfin, en fait, c'est des bons plans. Donc quand c'est des bons plans, j'aime bien vous présenter mes bons plans. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors tout d'abord, j'ai acheté. Ça, je vous l'avais montré sur Snap. Alors, je sais pas du tout mon rouge à lèvres, la tête qu'il a. Mais je crois qu'il a une sale tête. Pas de miroir. On verra bien pendant le montage de la vidéo si ça va ou pas. C'est pas grave, hein, c'est que du rouge à lèvres. Donc, alors, je suis allée à Teddy Wage et j'ai trouvé deux petites choses. Alors, la première petite chose, j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles. Voilà, les petites boucles d'oreilles là que vous voyez à mes oreilles. Et en fait, il y avait moins 20% sur les produits soldés. C'est-à-dire qu'il y avait les produits qui étaient soldés, plus moins 20% en plus de la réduction qui était déjà faite. Donc celles-ci, je les ai payées 1,99€ plus moins 20%. Je ne sais plus ce que ça fait. Ça doit faire... je ne sais plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé le petit cahier. Alors moi, je vous l'avais déjà dit, j'adore les cahiers. Qu'est-ce que j'aime les cahiers. Alors par contre, je ne pouvais pas l'ouvrir. Je ne savais pas comment il était à l'intérieur. Je pensais qu'il y avait des lignes, mais en fait, non, il est tout blanc. Mais c'est pas grave, je le trouve tellement beau que sur ma table de nuit, ça fait très très beau et je trouverais bien des choses à écrire de toute façon. Hein. Je suis plus à la maternelle, je sais écrire droit, donc les lignes, c'est pas grave, s'il n'y a pas de lignes, ça ira très très bien. Celui-ci, il était à 2,99€ et je l'ai eu ben, à plus moins 20%. Donc voilà, ça c'est pour Teddy Wage. Ensuite, je suis allée à Moa et j'ai trouvé plein de petits bijoux à moins 70%, enfin plein de petits bijoux. Deux petits colliers à moins 20%. Donc ça c'est des colliers que vous aimez tous. Je vais vous montrer, c'est des colliers que vous aimez tous. Et ils étaient à 7,99€ et avec la réduction on les avait à 2,39€. Donc c'est les petits colliers en fait qui sont transparents. Alors celui-ci il a abîmé mais je le voulais tellement, c'était le dernier. Donc je le voulais tellement que je l'ai quand même pris. J'espère que ça ne se verra pas sur le cou. Et bon, il était plié. Non, c'est le collier avec le fil transparent. Et là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment un tout petit truc. C'est tout petit. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Ensuite, Tissane a trouvé celui-ci. Attendez. Voilà. Et ensuite, on a trouvé, on a pris le même. Elle en a pris un pareil. Celui-ci avec les trois perles. Voilà, au pire des cas, je vous ferai un zoom avec la caméra pour vous montrer comment ils sont. Mais ils sont vraiment très très beaux. 2,39€, honnêtement, à la place de 8€. J'ai demandé si la couleur, elle allait virer. Elle m'a dit de ne pas me toucher avec. Mais moi, quand je mets les colliers comme ça, le souci est que je ne me les enlève plus. Je ne me les enlève plus. Je vais voir parce que quand même, le prix de base, c'est quand même 8€. Donc à 8€, moi j'en ai acheté à 3€ en boutique chinoise, ils n'avaient pas bougé. Donc à 8€, le problème c'est que moi je veux un collier où je me douche avec. J'avais même acheté un bijou Swarovski et honnêtement il avait bougé. Alors ça fait mal au cul hein, quand t'achètes un collier Swarovski et que finalement ben, ça bouge. Honnêtement, je pense que ceux-là ils vont bouger aussi, on verra de toute façon pour le prix, hein, on va pas chipoter. Et en fait, dernièrement, je suis pas chez... Bah, je vais y arriver. Je suis pas chez Soch. Dernièrement, je suis passée à Pinky et il y avait des soldes. Alors en fait, à la base, je sais pas si vous me suivez tous depuis un moment. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'adore le pull de Tissène noir. Je n'arrête pas de le mettre. Donc je me suis dit que c'était bon. J'allais acheter exactement le même. Mais je voulais le prendre d'une autre couleur. Donc évidemment, il n'était pas soldé. Voilà. Donc je suis partie à Pinky et j'ai acheté le même en gris. Voilà, il est super beau. Il est super beau. Ça avec une paire de collants noirs, une petite paire de cuissardes. Voilà, donc celui-ci il était à 29,99€. Alors il n'y avait plus de taille, il en restait deux. Il restait un XL, un L, en sachant que l'autre c'est un M, celui que j'ai déjà qui me bat. Le L il risque de m'aller un peu plus grand parce que c'est vrai que ça fait un petit peu grand. Enfin, après remarque c'est des robes. Mais c'était les deux derniers, donc je me suis dit tant pis, je le prends quand même. De toute façon, moi j'ai des bonnes formes, donc ça m'ira quand même. Donc le truc qu'il y avait à Pinky,
Parce qu'à la base j'étais partie que pour ça. Je savais qu'il n'était pas soldé de toute façon. Le truc qu'il y avait, la promo qu'il y avait, le bon plan, c'était que soit vous achetiez pour 50 € d'article et vous avez 10 € de réduction, ou soit vous achetiez pour 70 € d'article et vous avez 20 € de réduction. Donc je me suis dit, quitte à payer 40 €, autant que je paye 50 € et que j'ai pour 70 € d'article. Donc du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un autre sac. Alors, vous saviez que j'avais pris le sac de chez Mango, mais j'ai quand même pris un autre sac. Voilà, j'ai trouvé super beau. J'ai pris celui-ci qui se tient, ben, comme ça. Je trouve qu'il est super beau. Il fait cabas. J'ai trouvé mignon. On verra bien. Le truc qui me plaît pas, qui m'a pas plu par contre. Alors attendez, je vous montre l'intérieur. En fait, il y a une petite pochette comme ceci. Petite pochette comme ceci qui peut se retirer. Voilà, une petite pochette qui peut se retirer. La petite ceinture. Voilà, ça c'est bien parce que vous pouvez le fermer. Et à l'intérieur, il est. Voilà, c'est simple. Il est comme ceci. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a pas de poche. Mais bon, c'est surtout un fourre-tout. Le truc aussi qui me dérange, c'est qu'ils mettent les antivols ici. Ah, j'arrête pas de me foutre des coups de sac. Ici. C'est-à-dire que là, l'antivol, il était ici. Donc, il y a un trou. Donc, je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas mis. Ouais, mais non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire pourquoi ils n'ont pas mis l'antivol ici. Mais non, puisque ça, c'est. Ça s'enlève. Donc, au pire des cas, on aurait pu voler le sac et laisser ça. Ou, je sais pas, peut-être ici. Je sais pas, je suis pas vendeuse. Dites-moi, les vendeuses, si c'était possible de le mettre ici. Mais là, du coup, j'ai un petit trou, ça me dérange en fait. Ou alors le mettre carrément sur la couture, quoi. Ouais, et du coup, ben voilà. J'ai un petit trou. Bon, enfin, ça à l'intérieur, ça se verra pas. Mais bon, c'est dommage. Parce que si on fait ça avec tous les articles et qu'il y a des trous partout, ben voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette ceinture-là. Voilà, j'ai pris la ceinture imitation. Alors, le sac, il était à 19,99 € par contre. J'ai trouvé cette ceinture-là. Que je mettrai autour de la taille. Je l'ai pris en taille S parce que moi j'ai une toute petite taille, j'ai une taille de bébé. Comparé aux hanches, c'est vrai que j'ai une taille de bébé. Hein. Et celle-ci, elle était à 7,99 €. La boucle est comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc pour 70 €, j'ai pris un dernier article. C'est la chemise comme ceci. Voilà, la chemise imprimée. C'est une chemise qui est quand même assez longue. Elle arrive mi-cuisse. Avec la petite ceinture pour la refermer. Voilà. J'ai pris ça. Donc ça m'a fait 70, un peu plus de 70 €. Ça m'a fait. Ben parce qu'en fait, j'avais pas pris la ceinture. Et les trois articles là, ça m'avait fait 69,70 €. Non. 97. Il me manquait 3 centimes pour que ça me fasse 70 €. Donc ben, j'ai été obligée de prendre un autre article pour que ça me fasse 70 € pour avoir le droit à la réduction de 20 €. Donc j'avais pris la ceinture hein, pour 7 € hein, 99. Dans tous ces articles-là, ça m'a fait 75. Attendez. Je crois 76 et des poussières. Ben, en tout, j'ai payé 50, 56 et des poussières ces articles-là. Bon, c'est pas donné, c'est vrai, il y a le sac avec. Ça fait 3 articles, 4 articles. Et Tyssen, elle a trouvé des petites chaussures. Elle a trouvé des petites chaussures-là. Alors celles-ci, par contre, elles étaient soldées, mais on ne pouvait pas cumuler les soldes avec le bon plan. Donc elle a trouvé des petites chaussures comme ceci. On va voir si elle aimait. Hein, parce qu'à chaque fois, elle s'achète des chaussures de ville. Elle ne les met pas, mais que des baskets. Et elle, à la place de 35,99 €, elle les a payées 10 €. Donc je trouve que c'est vraiment un bon plan, ça. Par contre, ouais, ça c'est vraiment un bon plan. On verra. Elle a dit que ça lui serrait. Que ça lui serrait. Non, que ça lui serrait pas, que ça lui allait. Je vais essayer. Je vais essayer. Je sais pas s'il faut défaire les boucles ou pas. Pas du tout. Est-ce qu'on fait la même taille avec le 39, les deux? Je vais essayer. Attendez. Ouais, ça donne ça. Non, ça va. On est serré, mais on est bien dedans. Ça va. Ouais, ça va. Pour le prix. Pour 10 € parce qu'il n'y avait pas sa taille, il y avait 1,40 mais il était vraiment trop grand, il y avait ça d'écart derrière. Et le 39 il n'y en avait pas, mais le 38 à taille grande, donc le 38 ça ira très bien. Voilà, donc ça c'est le petit haul que je voulais vous montrer. Je me suis mis un petit peu décolleté parce qu'aujourd'hui le soleil était là. Je vous ai volé le soleil.
Je vous le rends pas, je le garde. Et toute la semaine, normalement, il va faire beau. Je vous le dis parce que ceux qui me suivent sur Snap, ils savent de quoi je parle. Bon, mais c'est tout. Voilà, je vous ai partagé un petit bon plan. C'est un petit haul. Bon, j'ai pas fait de try-on parce que voilà, try-on, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez profité de ce bon plan. Ah, je vous ai dit que c'était Pinky. Je sais plus. Ah, Pinky. Moi, je voulais la robe en laine, mais elle n'était pas soldée. Ouais. Bon, allez, j'arrête de rêver. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. When the strobe hits you.